Salut tout le monde, c'est Salim, nous retrouvons pour un nouveau jeu Eldritch, un petit roguelike, un petit roguelike, ouais, c'est un petit, vu que c'est un petit jeu indépendant, je sais pas ce que ça donne, j'ai vu que la vidéo de présentation de 1 minute, comme d'habitude j'essaie de moins me spoil au jeu, donc voilà, je sais pas grand chose du jeu, je sais juste que c'est du first person shooter, c'est du roguelike, donc c'est aléatoire, a priori, ce que j'ai cru comprendre, c'est très inspiré de, par rapport à Lovecraft, et ils ont pas mal pioché dans Lovecraft. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça tout de suite. Donc a priori, le jeu est en français, donc c'est déjà pas trop mal. Et on commence. Et on peut frapper. Et se déplacer, ok. A priori, ça, c'est pas trop dur. Lire livre. Livre des emprunteurs. Boxer la chaise, quoi. Tellement cool. Et a priori, on a 3 vies. Donc c'est marqué en haut à gauche, hein, c'est ce que je vois, des trucs bleus bizarres. Et on peut boxer les chaises, mais... C'est qui a eu cette idée géniale? Ok, on peut s'accroupir. Oh! On peut changer notre gueule et être une femme à moustache. Oh, mais je suis forcément une femme en fait? Non. Si, a priori. Ah, c'est un corps d'homme. Ah, attends, attends, on va se faire, voilà, sur toute belle. Bon, on va prendre ça, ça ira très bien. De toute façon, je pense pas que c'est très important. Je peux allumer les lampes. Je peux courir en appuyant sur Mage. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez déposer vos artefacts dans des coffres de banque en dépôt. Les déposés ici peuvent être retirés plus tard depuis ce coffre ou n'importe quel autre. D'accord, quand vous mourrez, vos possessions seront perdues, mais tous les artefacts déposés à la banque resteront. Ok. Donc on peut déposer des choses a priori. Ce livre est écrit dans une langue que vous ne connaissez pas. Alors que vous observez les étranges glyphes, ils semblent se détacher des pages et prendre la forme bizarre et surnaturelle des mondes et des créatures qu'ils décrivent. Les mots vous encerclent, effaçant la bibliothèque et remplissant votre esprit avec le bourdonnement d'une langue préhumaine. Secoué, vous essayez de fermer le livre, mais vous vous retrouvez transporté dans le monde étranger décrit dans ces pages. Donc ok, je viens de lancer le premier donjon sans le vouloir. Je viens de l'explorateur page 1. Ok, on va lire, hein, parce que comme j'ai dit, je découvre le jeu en même temps que vous. Pour moi, c'est mieux de faire des vidéos comme ça. Vous avez directement ce que vous découvriez si vous achetez le jeu. Et vous avez un avis direct, en fait, de moi. Pas un avis déjà, genre, après 40 heures de jeu, où je suis là, ouais, le jeu, il est sympa, mais bon, il y a ça, ça, ça. Non, c'est un avis, hop, de première vue d'ensemble, on va dire. Voilà. Alors, quelque chose d'assez particulier m'est arrivé. Je ressens le besoin d'enregistrer tout cela. Dans l'éventualité où je ne reviendrai pas. Ok, la dernière chose dont je me souviens, j'examinais ce curieux livre dans la bibliothèque. Oui, exact. Et maintenant, je me suis retrouvé dans un monde dangereux, plein de monstres. J'en ai aucune idée, il n'y en a pas pendant ce temps. Tapis et de pièges perfides. Si mes recherches sont correctes, alors je me trouve dans le temple perdu de l'ancien dieu Dagon. Dagon. Ok, selon la rumeur, une puissante relique est conservée dans les profondeurs de ce monde. Peut-être qu'elle détient la clé de ma fuite. J'en ai aucune idée. Équipement. L'équipement sont des articles vestimentaires qui améliorent vos capacités ou débloquent de nouvelles compétences. L'équipement se décline en 3 catégories. Les livres, d'accord, les trousses et les gadgets. Ça, c'est un gadget. Portez un équipement de chaque catégorie. Une simple boussole magnétique. Portez une boussole révèle les endroits clés sur votre mini-carte. La boussole pointe également vers la sortie de ce niveau actuel. Ok, c'est cool. Alors, le niveau, la sortie est là en dessous, c'est ça? Aucune idée. Ah, on peut revenir à la bibliothèque. Bon, on va déjà essayer de voir ce que ça donne. Boxer des gens. Autre que des chaises, si possible. Porte verrouillée. Des bruits bizarres, en tout cas. C'est de la viande. Manger la nourriture restaure une partie de votre santé. Attention, manger de la nourriture avariée ou empoisonnée peut, à l'inverse, vous faire du mal. Ok. Ah, c'est pas des vies, c'est ma jauge de vie, j'ai le droit à 3 coups en gros. Enfin, peut-être qu'il y a des coups qui mettent 3 dégâts, hein. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est plutôt mignon pendant ce temps, je trouve pas ça trop dégueulasse.
Alors, des sculptures de pierre extraterrestres sont votre principale ressource dans ce monde. Vous pouvez acheter des biens avec eux ou les dépenser pour activer des pouvoirs spéciaux et des outils. Ok. En gros, c'est des pièces. Par contre, c'est un peu chiant de les prendre tout le temps en appuyant sur F. J'espère pas en croiser des milliers. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la fermer. Pourquoi c'est posé sur des dalles? Ça m'a l'air d'être un piège, ça. Les clés sont utilisées pour déverrouiller les portes. Chaque clé ne peut être utilisée qu'une fois. Bon, ça c'est logique. La porte est bel et bien en dessous, donc ça peut être en plusieurs étages, a priori. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Oui, excès. Je dois voir s'il n'y a pas... Oh, un flingue. Ok, là, ça devient intéressant. Appuyez sur clic gauche ou R. Et puis on peut jouer à la manette aussi. Pour donner un coup de poing, lancez un projectile, tirez avec votre arme. D'accord? Appuyez sur Z pour laisser tomber l'objet de votre main droite. Vous pouvez porter deux armes ou objets à la fois. Appuyez sur X pour en changer. C'est cool. Faudrait que je teste à la manette aussi le jeu, mais vu que c'est un FPS, je préfère quand même peut-être à la manette. J'ai un caillou, les gars. On va le garder. Ça peut être utile. On peut le lancer une fois. Enfin, on peut le récupérer plein de fois. Enfin, je suppose. Voir comment ça se passe, comme d'habitude, hein, je découvre en même temps que vous, donc c'est un peu le bordel. Qu'est-ce que t'es, toi? Est-ce que c'est censé être amical? Ça m'en a l'air. Ces énormes idoles de pierre représentent des sortes de créatures terribles, jamais vues sur Terre, d'accord? Priez devant la statue vous insuffle un pouvoir spécial des anciens. Cool. Alors, pouvoir hypnotique, viser une créature et appuyer sur clic droit pour l'hypnotiser. D'accord, les créatures hypnotisées combattront pour vous, c'est cool. Attention, des créatures avec une forte volonté peuvent se débarrasser des effets de l'hypnotique après une courte période. Cela coûte 7 pour l'utiliser. Ok, donc on utilise les pièces pour faire nos sorts. En tout cas, ça m'a l'air très sympa pendant ce temps, ça a l'air bien complet en plus. C'est très cool. On n'a pas encore fait notre premier combat, on va voir à quoi ça ressemble bientôt, je sais pas. Je ferme les portes, je sais pas, c'est une manie au cas où je me fais poursuivre. Ok, ça c'est des balles. Un deuxième caillou. Qui me sert à rien. J'ai déjà un dans la main a priori. Il y a un arbre ici. Peut-être sauter. Ouais, ça fait pas trop mal. Enfin, ça fait aucun dégât en tout cas. On va continuer de descendre du coup. Des pics, hein, faut faire attention. La dynamite. Une fontaine. Alors, boire d'une fontaine restaure une partie de votre santé et augmente votre santé maximale. Ça c'est très bien. Les fontaines se tarissent après avoir été utilisées une fois. Ok, donc ça augmente nos points de vie, ça c'est très bien. Dans les explosifs. Nous avons l'air d'être devant un bar. Ok, j'ai un petit peu stressé. Fouille les corps pour des munitions, des artefacts ou d'autres objets. Après avoir été pillé, l'ennemi peut réapparaître quelque part dans le niveau. Ah ok, réapparaître quelque part dans le niveau, ça veut dire que si on le laisse en état, ben sans prendre les items, il réapparaît pas. Par contre, je crois que c'est une connerie ce que j'ai fait. Je peux marcher dessus. Ça casse tous les dynamites a priori. Il y a plein de clés partout. Je sais pas si c'est fait exprès ou c'est moi en cassant n'importe comment. Ça. Ah, ok, on peut les lancer. C'est juste pour checker ce que ça faisait, mais plus rien de spécial. En tout cas les gars ils vont dans des bars avec des cailloux, très intéressant, hein, le monde de Lovecraft. Au passage, pour ceux qui le savent pas, c'est le créateur de Cthulhu, hein, donc ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à ses œuvres, c'est très très sympa. Bon après il faut aimer, hein. Hop, on va grimper, il y a d'avoir un serpent je ne sais quoi là-haut. Simplement l'éviter pour l'instant. Ramasser des pièces. J'ai l'air d'être un peu perdu, je suis désolé, hein. Je suis vraiment paumé déjà. Ah voilà, ok. Une échelle. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, puis il a fait un cri de malade.
un petit artefact, ça fait pas du mal. J'aurais laissé ouvertes les portes en fait, parce que comme ça je sais où je suis passé. Ah, merde. Je vais voir si on pouvait viser en fait avec l'arme, mais je suis con. Des poignards. Je sais pas pourquoi j'ai bouffé la viande, j'aurais pas dû. C'est pas grave. On peut toujours monter. La dynamite. Donc ici on n'a plus rien, a priori. Hein. Par là peut-être. Comment on drop l'arme, je sais plus. Ah ok, on peut switch entre deux armes, voilà. C'est cool. Donc j'ai des clés, donc je veux rien, je vais pas me gêner. Un tout pouvoir. Bon, allez, on va essayer. Le pouvoir de matérialisation. Clique droit pour invoquer une barrière mystique. Utilisez ces barrières pour bloquer le passage des ennemis ou accéder à des lieux difficiles à atteindre. Attention, il est possible de vous piéger vous-même en utilisant ce pouvoir. Ok, on peut créer des walls a priori. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça peut être un très bon pouvoir. Chier, faut que je fasse tout le tour. Du coup, je peux grimper là-haut et ne pas utiliser de clé pour aller en bas. Enfin, pour traverser cette salle quoi. J'entends une bestiole. Pour l'instant c'est plutôt calme, hein. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier étage, entre autres, mais peut-être, peut-être pas. J'ai aucune idée, là il y a un arbre, on va voir ce que c'est. Ça régénère un cœur en gros. Comment t'es morte toi? C'est quoi ces bruits bizarres? Oh, oh, oh. Bouh, bouh. Bon, on va grimper. Ah. C'est toi qui fais ces bruits. Pardon, je ne fais pas. Reste où t'es. Ok. On avance. J'ai une petite clé. Et j'ai bien fait parce qu'il y a pas mal de choses. Hop, on continue. Et bah, y a un truc qui ramène en gros ici. On va monter. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ils dirigent pas la sortie? C'est parce que j'aime bien tout explorer à chaque fois. À force de... Ceux qui me connaissent pas encore, bah vous le savez pas que j'aime bien tout explorer, mais les autres qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime bien tout explorer. Et rien laisser de côté du coup. Vraiment louche comme bestiole. Ah, on est déjà venu hein. Ou pas. Je crois que je suis déjà venu normalement. Ouais, c'est la vieille petite maison. Ah non, je suis pas venu dans cette petite maison. Oh, pas mal de choses. Oh là là. Donc en tout cas, ça a l'air de valoir la peine d'ouvrir les portes pour l'instant. Des clés. Après, peut-être que j'ai un max de chance. J'en ai aucune idée, sincèrement. Là, les pics, j'aimerais bien. Hop, nice. J'allais dire les éviter, mais j'ai pas pu finir ma phrase vu que j'ai été comme un gros maçon. Du coup, je pense qu'on va commencer à rejoindre la sortie gentiment. Putain, à chaque fois je retrouve une clé. Non, 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 reste sous terre. Une maison dessinée, ça a l'air bizarre comme ça. Oh. Je sais pas moi. Déposer la moitié de ce que j'ai. On garde 20. On peut, ouais, on peut que déposer les pièces. Waouh. Alors, on va utiliser le pouvoir, ça ira plus vite. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et du coup j'aurais pu profiter pour sauter au-dessus hein. En fait il y a plein de stratégies du coup, ça c'est plutôt intéressant. On va racheter encore des pièces. On va regarder 21 hein. De toute façon le pouvoir il coûte que 1 à poser donc je suis plutôt tranquille à ce niveau. Ok là c'est cool, et là c'est cool. On y va. Mort, je ne sais pas comment.
C'est bizarre, il y a des ennemis qui crèvent alors que j'ai rien fait. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès. Mais bon. Pour l'instant, j'en sais pas grand chose comme vous. Je suis un petit peu paumé. Et la sortie a l'air d'être par là. Ok, donc deuxième étage. Ah d'ailleurs, il y a des trucs qui se dessinent sur la carte. J'ai pas regardé en fait en haut à droite qu'on avait une carte. Du coup, il y a d'avoir... Oh putain. Reste loin toi. Il y a d'avoir des salles un peu par ici. Parce que c'est... Je sais pas du tout. Tac. Un marchand. Je me demande est-ce que je peux le tuer en fait. Ok, chaque magasin a une sélection d'équipements disponible à la vente. Ok, si vous ne pouvez pas payer le prix, vous pouvez essayer de voler un article. Mais vous mettrez le marchand en colère. C'est cool ça qu'on puisse voler. Je me demande si on peut le tuer. Le pêcheur vous sourit en larmoyant. Bienvenue étranger, achetez quelque chose s'il vous plaît. Gloup gloup, j'ai tellement de bonnes choses dans mon magasin. J'ai besoin de rien, je voudrais juste voir à peu près les prix. Putain, ça coûte cher. Trousse 2. Permet de manger les corps de certaines créatures pour un coût additionnel. Ok. Ok, on peut ressusciter. Augmente les dégâts faits avec vos armes, vos balles, détruisent le terrain. Waouh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça, avec le pouvoir de créer derrière, on peut se faire un bon petit pattern, je pense, pour vite tout passer en 2 secondes. Enfin, on peut modéliser la carte comme bon nous semble, donc c'est pas mal fumé, je trouve. Allez, on va un peu explorer. Ah, et puis en plus, ça dessine les salles que j'ai visitées déjà. Ok, donc ça, c'est cool aussi. Maintenant, je suis au courant de tout ça. Et a priori, il y a un truc derrière, chez le marchand. Enfin, là, et a priori, il faudrait peut-être y passer par-dessous. On va voir ça de suite. Reste où t'es. Par là. Allons voir ce que c'est cette salle. Bon, ça a l'air quand même pas mal important de pouvoir modéliser tout ça. Ok, donc je suis arrivé dans un autre monde en étant dans mon monde. Je sais pas si c'est cool, mais bon. Visiter tout ça, hein, comme d'hab. Regardez ce que ça donne. En tout cas, il a l'air d'avoir masse pièce, donc c'est peut-être un niveau bonus que j'ai trouvé, un truc dans le genre. Alors, une petite tablette en pierre portant une marque religieuse, elle n'a pas d'utilité apparente. Ok, on conserve. La place de la boussole, c'est pas grave, la sortie, on se débrouillera pour. Vu qu'a priori le but c'est de récolter des artefacts et de les ramener. Je sais pas du tout ce que ça fait mon machin, mais bon, on va le garder. Hein. Wow, ce que ça donne. On dirait un peu une chambre du vide, en fait, où il y a rien à part ça, quoi. Je vais voir en fait si les lianes, elles me faisaient grimper, mais a priori, je sais pas les utiliser, ça, j'en ai aucune idée. Ah, ça a pas l'air. Hein. Hop, là, nous avons non, rien. Et je peux faire des... Super glissade, ok. En courant et en faisant un petit un peu s'accroupir avec C, en fait des super glissades, c'est plutôt cool. Ça peut être utile hein. Alors là j'ai pas eu de la chance. Ah c'est déjà un peu mieux. Vu que je récupère ma clé et ma pièce hein. On a juste une clé. Mais bon c'est toujours cool parce qu'on a de la viande de côté du coup. C'est pas plus mal. J'ai pas mal de balles quand même. Hop, un pied du corps comme d'habitude. De balles. En tout cas les ennemis ont l'air pas des masses dangereux pendant ce temps, ça a l'air plutôt tranquille même. Hein. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste moi qui suis tombé contre des ennemis un peu pourris. On va créer 3 blocs, on va voir ce qu'il y a là-dessus. Des piques forcément. J'aime bien ce pouvoir hein. Se déplacer, ok, comme on le souhaite, mais ça a servi à pas grand chose, tant pis. Hop, ramasser ça, on va augmenter nos points de vie là-dedans.
me suis pas fait toucher une seule fois, je crois, pendant ce temps, donc ça m'inquiète un peu la difficulté pendant ce temps, mais bon, on va voir au fil du temps, comme je l'ai dit, hein, ce que ça donne. Ok, ça c'est tout bon. Bon, en tout cas, le jeu est déjà traduit en français et ça a l'air pas trop mauvais la traduction, hein, même plutôt bien. Donc ça c'est cool déjà, c'est un bon point on va dire. Ça a pas l'air du tout buggé en plus, donc ça c'est plutôt cool aussi pour un petit jeu indépendant. Et puis ben c'est plutôt, ben, moi je trouve ça mignon hein, personnellement. Chacun ses goûts, il y en a qui aiment pas je pense. Ouais mais c'est trop moche, ça fait trop Minecraft. Oui. Il y a l'air d'avoir un truc là-haut. Revenir, ok donc. Ça c'est pour remonter, on peut remonter, ok on aura oublié des trucs, ça c'est plutôt cool. Hey hey hey. J'ai failli me toucher je crois mais juste pas. J'ai un petit peu paumé, je sais pas par où aller en fait. J'ai oublié de regarder la carte parce que hop, j'ai pas l'habitude d'avoir une carte dans un jeu comme ça en 3D, c'est un peu bizarre. J'ai raté mon premier coup, c'est pas trop grave, tout va bien, a priori. Ok, tout a l'air nickel de ce côté, donc hop. Donc ça a l'air cool quand même de pouvoir garder des hop, des pièces quand on fait une run, de pouvoir les placer quelque part. Pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert de les placer quelque part, parce que... Je vois pas trop l'utilité en fait, réellement pendant ce temps. Un caillou, on va le prendre. Ah non non non, je vais pas prendre le caillou à la place de mon flingue, ça, ça va pas. Le flingue est beaucoup trop puissant pendant ce temps pour que je le lâche. On va vite visiter le reste de cet étage, qui a l'air un peu tranquille quand même. Et après il y a des endroits qui nous indiquent aussi, en fait les flèches, c'est qu'on peut monter ou descendre de cet endroit. Hop, on en apprend tous les jours. J'étais au niveau de la lecture de la mini-map hein. Flexible. J'aimerais bien changer de pouvoir mais je me dis que le mien il est pas mal quand même. Oula, putain, 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 il me fout les boules, il me fout les boules. Pas les boules genre mon dieu il fait super peur. Non non non, c'est juste qu'il m'a surpris et j'ai peur de mourir. J'avais pas envie de mourir. Après j'ai que perdu un cœur donc ça ça va. On va descendre par ici. Et je garde mon pouvoir hein, au final, hein, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore ce pouvoir, donc on va le garder. Enfin, je trouve ça méga utile, hein. Pour un, construire des blocs, c'est juste fumé, quoi. Enfin, à mes yeux... Après, peut-être qu'il y a mille fois mieux, mais bon, j'ai pas gaspillé tous mes cristaux forcément non plus. Je joue un petit peu safe, on va dire. Vu que c'est ma première partie aussi, je sais pas à quoi m'attendre. Il est mort. Du coup, on peut plus rien faire ici, on va remonter. C'est le mauvais endroit. Par ici. Bon en tout cas on se dirige plutôt bien. La carte est très utile quand même, c'est bien détaillé, donc c'est plutôt sympa. Donc pour descendre, faut que j'aille là-bas. Voilà. Voilà, je commence à comprendre gentiment comment fonctionnent les choses. C'est plutôt cool aussi. Et a priori ça a l'air d'être une salle vide avec de la viande bien sûr. Donc, pas si vite que ça. Donc on remonte, on va aller voir ce qu'il y a par ici, je pense que ça va être une salle toute simple, tout con aussi. Mais a priori, il y a un chemin. Chemin, chemin, chemin qui mène à un super snake qui est mort. Et absolument rien d'autre. Vas-y, drop là-bas, voir ce que ça donne. Ok, les zones sont quand même grandes entre elles et a priori... Ah, ça c'est le mur d'œuf en fait. Les blocs noirs un peu... Wow, wow, c'est la fin. Donc je sais pas là comment je grimpe, mais a priori il peut s'accrocher aux blocs soit qui ont des lianes, soit il peut grimper aux blocs qui ont deux étages ou plus. Ce qui est un peu plus mal. Là je suis en train de me dire que j'ai oublié d'explorer une salle par là. Je suis un peu paumé là. Ok, par là. Aïe.
J'ai marché sur des pics, ça fait 2 dégâts, c'est pas cool. On va soigner de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de visiter? Ici. Ok. Ça relie les deux, génial. Fuck my life. Toi, toi, tu restes calme. Une petite clé, toujours utile. Hop. Du coup, faut que je redescende, mais quelque part d'autre. On va descendre par ici. Ok, tout va bien, tout va bien. Et au passage, je me suis acheté Wind Waker sur Wii U, si vous voulez savoir un peu plus sur ma vie. Hein. C'est très sympa, je m'amuse très très bien avec. Pourtant, c'est un jeu que j'avais pas trop apprécié à la base. J'avais joué quand j'étais gamin. Mais là, ça passe bien, donc voilà. Donc a priori, on peut pas grimper là où il y a des lianes, mais on peut grimper les blocs de deux cases de haut quand on laisse appuyer espace, ce qui est plutôt cool. C'est bon à savoir, on va dire. Fruit toxique, trop dangereux, on va pas prendre le risque. En plus on est bien là donc... Enfin... Je sais pas si les monstres... Oula, ils s'entretuent en fait. Putain, il m'a lancé des boules de feu là, c'était pas cool. S'ils s'entretuent ou je sais pas, parce qu'il y a des cadavres partout. Merde. Ah, j'ai mangé de la viande toxique. J'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Et du coup il y a quand même pas mal de petits pièges a priori. Hein. Déjà avec la viande, hop, on regarde pas, hop. On s'empoisonne, ce qui n'est pas cool du tout. Et là-haut, il y a l'air d'avoir un truc. Enfin, c'est mon impression. Il y a l'air d'avoir un truc. Donc, hop, hop, hop. Ok, en fait, on revient où on était. Juste visiter un peu le reste, voir si j'arrive à récupérer de la viande, parce que là je suis un peu low je trouve au niveau des points de vie. Hop. Il y a l'air d'avoir plus grand chose, donc on va y aller hein, comme ça. Ça ira très bien. J'ai certainement raté des salles, certainement raté des secrets et tout, mais c'est pas grave, tant pis pour ma gueule j'ai envie de dire. Hop. Certainement de la viande au-dessus, il y en a même pas mal, hein. J'ai laissé pas mal de bouts de viande à gauche et à droite. Oui. Putain. J'ai de la chance de marcher dessus, il m'a rien fait. Donc soit les monstres s'entretuent, soit je sais pas comment, mais ils disparaissent. Hop. Troisième étage. Alors... Comme d'hab, on va visiter un peu les lieux, hein. Premier étage, place à descendre, rien d'autre. C'est cool cette roulade. Enfin cette roulade, oh là là, cette glissade. Je suis pas bien moi. Statue instable, j'aimerais bien voir tous les pouvoirs, mais comme je l'ai dit, encore une fois, désolé, j'aime beaucoup ce pouvoir, donc du coup je vais essayer de le conserver pour l'instant. Ok, je ne peux absolument rien faire d'autre, si ce n'est récupérer ce pistolet a priori. Premier étage, c'est clean. Certainement monter par ailleurs, hein, mais pour l'instant, c'est pas mon but. Il est mort. Deux balles pour ça. C'est marrant parce qu'il y a certainement ce que je tue en deux balles, d'autres en une, alors que c'est les mêmes. Donc je sais pas s'ils se sont déjà pris un coup. Merde, j'ai pas fait attention, putain. Ah ça va vite, hein. On fait pas attention, bam, c'est direct la punition. Et là en plus j'ai 2 points de vie donc c'est... vous vous rendez pas compte mais c'est super risqué là. C'était très très bête de ma part, j'ai commencé à lire les items. Hein. Ok, je me gratte le nez et on y va. pensons c'est l'air nickel, de ce côté là aussi. De toute façon là je suis en train de longer le mur de gauche donc... rien à voir à gauche, peut plus y avoir des trucs à droite et là c'est une descente, absolument rien d'autre. Ok, alors on va passer là dessous, alors, on va remettre notre arme revolver. J'aimerais bien trouver des points de vie. Ah quand même les balles ça commence à partir vite hein, on s'en rend compte là.
trompe. Bon, donc a priori dans les patterns, il y a tout le temps un petit coin ici qui a des pièces ou des items, en tout cas c'est cool. Viande cuite, parfait. Passer par là-bas. Doucement. Notre temps. Ok, là je peux remonter. Ce qu'il y a là-haut du coup. Une saloperie qui me donne une clé, toujours sympa. Là, il n'y a absolument rien. Continue de monter. Putain. Putain de... Je sais pas s'il faut tirer sur ses yeux. Oh putain. Alors lui. Alors lui, les amis, m'a pas l'air cool du tout. Et là, je peux me rendre compte que mon pouvoir il sert à rien contre lui. Ça a l'air complètement inefficace les balles, on va arrêter de le tirer dessus. On va juste courir, prendre les items qu'on peut. Hop. Oulala, 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 du calme, du calme. Alors, on va pas risquer une vie pour deux pièces, hein, ce serait bête. Hop, j'ai déjà gaspillé pas mal de balles en lui, mais il a même pas bougé le machin quoi, donc éviter de gaspiller plus de balles dedans, ce serait stupide. Viande avariée, on va éviter. Viande avariée, on va éviter. Chose qui marche. J'ai plus de balles. Oh là. Alors là ça va devenir chaud je pense maintenant. J'ai plus de balles. On va un petit peu moins rigoler, un petit peu moins dire que ça sera facile. Ok, y a pas de dégâts de chute ou alors j'ai juste chopé la fenêtre du coup, ça n'a absolument rien fait. Du coup moi, il faut que je descende encore une fois. Descendre par ici. Je pense que plus on avance et plus ce sera des chances de tomber sur des trucs toxiques. Enfin, on va trouver plus souvent des objets toxiques ou autres. Oulala. Elle est vivante hein, la bestiole là je crois. Là il y a une salle remplie de monstres mais remplie d'items à la fois. Un petit peu risqué, sauf que j'ai plus de balles là, ce serait un peu bête d'y aller je pense. Du coup on va pas prendre le risque. Je sais pas ce que vaut la dague vu que j'ai que utilisé le flingue. Après, ça fait des dégâts. Tant mieux d'ailleurs, hein. C'est le but. Prendre un caillou, on sait jamais. Revolver. De la viande cuite, cool. Hop, hop, hop. Non, 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 on peut pas laisser l'arme, même si on a que 5 balles, c'est beaucoup trop important. Absolument rien. Et un revolver. Essayer d'ouvrir la salle. Ok, viande cuite, viande cuite. Prendre ça, on prend le flingue. Amulette de destruction. Et une petite pierre arborant une étoile rouge. Portez cette amulette, ça permet à vos attaques de faire plus de dégâts et vos balles détruire le terrain. C'est super cool, on va la garder. Hop, on prend notre revolver. On passe par la cellule qu'on avait ouverte. Qu'on ferme derrière. Ah, cette grosse bébête là, elle m'inspire pas confiance, hein. Franchement. Je suis content qu'elle soit bloquée dans le mur, parce que putain, si elle était pas bloquée là, je serais vraiment en train de stresser, je pense. Je serais la putain de merde, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Putain de merde! Oh mon dieu! Oh là, ça devient pas cool quoi. Touche-moi pas.
cadavre. Cette grosse bestiole qui a tout bouffé, je suis sûr. Et me dire ça ne fait que m'inquiéter encore plus sur le fait de... Est-ce qu'elle est puissante ou pas. Et pour l'instant, vu que j'ai pas réussi à la tuer, je sais même pas si je l'ai endommagé avec les 40 balles que je lui ai mis dans la tête. Là. Enfin, 40, j'exagère peut-être un peu, mais je pense que j'en ai mis une bonne vingtaine et du coup, ben, c'est pas cool, quoi. Waouh, plein de trucs. Ok, on se remet bien au niveau des balles, ça c'est cool. On descend par là, je sais pas où je suis. Une salle complètement inutile, a priori. Ok. Donc je peux casser le terrain avec mes balles. Mes balles font plus de dégâts aussi. Hop, m'emmerde pas. Là-haut on a peut-être quelque chose vu qu'il y a un chemin. D'accord. Ok, on continue gentiment. Par là. Salut. Ah, lâchez-moi deux secondes. Ok. Tout va bien. Oh, ça en a l'air quand même. Toi, je te vais venir. A priori, on peut se pencher aussi. On va faire ça complètement au bol en appuyant là, comme un imbécile. Ça a l'air d'être un endroit inutile, encore une fois. On passe par ici, tac. On revient sur nos pas. Un peu de bestiole, je sais pas où elle est, mais je crois qu'elle est. Ok, on va la laisser tranquille, on va pas se prendre la tête avec ça. Ça me paraît plus dangereux qu'autre chose, donc du coup, on va l'éviter. Vous empoignez l'étrange orbe bleue, elle bourdonne en réponse à votre contact et vibre comme si elle essayait de se libérer. Alors que vos doigts se serrent autour d'elle, vous êtes frappé par une idée soudaine et spontanée. Je sais plus où j'étais. Et spontanée. Que dans cette sphère surnaturelle, l'âme de l'ancienne divinité Dagon commence à s'éveiller. Une vision dérive dans votre esprit comme le souvenir oublié depuis longtemps d'une peur mortelle, une destruction incontrôlée. Puis un rituel clandestin et une paix inquiète. Ok, la vision s'efface, laissant la place à un sentiment malsain de vide. L'âme de Dagon s'agite dans le silence. Vous pouvez à présent déverrouiller le prochain livre dans la bibliothèque. Ok, donc j'ai fini le premier truc qui était plutôt facile, hein, quand même, on va pas se mentir. Juste l'autre grosse bestiole que j'ai toujours pas compris comment la tuer. Le reste était plutôt simple. Ah. Ok, trousse de conserverie, une boîte de métal usé contenant de l'équipement pour sévérer la, pour préserver la nourriture. Ok, c'est cool ça, porter cette trousse vous permet de consommer les corps de vos ennemis humains pour restaurer votre santé. Cela coûte 20 pour mettre en conserve et manger une créature. Ok, j'ai le truc sur moi, mais on va pas l'utiliser. J'ai pas une paire de mes pièces, surtout qu'on est... Waouh. Ça j'aime pas. Ah désolé, hein, j'ai abrégé souffrance. Maintenant j'ai F ou une autre touche pour bouffer les cadavres, mais de toute façon on a fini, je pense que je vais m'arrêter là, je vais voir la touche. Maintenir F pour les bouffer, hein. Voilà. Ça peut être sympa. Bon, bah on va utiliser le livre pour quitter cet endroit. Retour à la bibliothèque, voilà. Et donc ben on a plein de cristaux qu'on peut déposer, hein. Hop, voilà, on va laisser là tranquillement. Et je suppose qu'on peut ben regarder d'autres livres pour faire d'autres trucs. Et il y a plein de livres, donc du coup je sais pas si on le téléporte à chaque fois. Il y a l'air d'avoir pas mal d'étages en plus, ça a l'air super grand. En tout cas moi ça m'a bien plu pour ce premier épisode, hein. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ferai un autre épisode sur un autre livre, je vais prendre au pif je pense.
Putain, ça m'a l'air juste énorme. Je sais pas si tous les livres ont l'air accessibles, mais je pense pas que tous les livres nous amènent quelque part, ce serait un peu abusé, quoi. Enfin, du coup, il y aurait plein de niveaux, quoi. Ce serait juste incroyable. Et pour un petit jeu indé, j'ai des doutes qu'il y ait autant de niveaux comme ça. Par contre, c'est cool, on conserve les objets a priori d'une partie à une autre. C'est plutôt sympa. Je verrai ça en me déconnectant ben, tout à l'heure et en me reconnectant voir ce que ça donne. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour me dire si ça vous a plu ou autre. J'en ai aucune idée. Je sais pas si pour vous le jeu est-ce qu'il était sympa. Parce que comme j'ai dit là, c'est vraiment. Moi j'ai joué un petit peu, ça m'a plu. En tout cas moi ce que j'ai fait m'a beaucoup plu. On va manger toi. Toi aussi. Et puis ben je sais pas si vous ça vous a plu, mais je pense quand même, vu que la plupart des gens qui sont dans ma chaîne aiment beaucoup le roguelike, a priori quand même, tout comme moi. Donc ça c'est plutôt sympa. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Puis ben j'espère vous retrouver bientôt sur certainement encore sur ce jeu. J'ai oublié le nom déjà. Il était un peu bizarre, Eldrak, je sais plus, tout dans le genre. Désolé, je suis en train de certainement de bafouiller son nom, de dire n'importe quoi. C'est pas grave, j'essaie de m'en souvenir pour la prochaine fois. En tout cas, ben, merci à vous encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Ça, c'est important pour moi de savoir quand même si les choses vous plaisent ou pas. Sur ce, à très bientôt. Ciao ciao!